We've seen it, we've said it, we know it. Yep. But when the muscles start to clot and the tissue starts to break down, toughness can't make a damaged appendage work, and that's Kornberger's strategy here. Rory McDonald, Robbie Lawler. Yep. When the body breaks down, the body breaks down! Kornberger in big trouble here! Cette semaine, la première loge sport propulsée par IESQ Media. Je vais être un peu fan, je suis content de les rencontrer ces deux-là, Marc-André Barriot et Jeanne Masson-Wong. Salut! Salut à toi! Content de vous rencontrer. Puis là, la première question que je veux vous poser, question très cliché, c'est venu comment le UFC, les arts martiaux mixtes? Je vais être galant, Marc-André, je vais commencer avec Jade. Problème. Ben moi, dans le fond, ça a commencé quand j'étais plus jeune, j'avais 13 ans, j'avais commencé à faire de la boxe. Okay. C'était plus pour l'entraînement puis la mise en forme. Puis, en tout cas, j'ai continué, là. J'ai recommencé à 18 ans pour... je me suis inscrite dans un gym de plus MMA, martiaux mix. Puis, je faisais encore juste les cours de mise en forme, ce qui était plus kickboxing, muay thai. Puis, après 2 ans, ben j'avais besoin de nouveaux challenges, là, en fait, parce qu'à un moment donné, t'atteins comme un stade, là. Puis, c'est ça. J'ai décidé de faire un combat. Puis, aussitôt que j'ai fait mon premier combat de kickboxing, là, j'ai eu la piqûre. Ma question va être cliché. On a entendu parler des dernières années, elle a malheureusement quitté la UFC. Est-ce qu'une fille comme, exemple, Ronda Rousey ou peut-être une fille comme Misha Tate, c'est des filles qui ont pu t'inspirer là, dans ton parcours, que tu as vu ces filles-là, tu as fait « OK, wow, je pense que c'est là, je veux m'en aller ». Oui, j'ai eu Ronda Rousey, là, que, c'est sûr, elle a vraiment ouvert la porte aux femmes. Puis ça a été une inspiration là, de voir justement, il n'y a pas aucune athlète féminine qui a été capable de faire ce qu'elle a fait. Là, puis ça a vraiment été... C'est sûr, c'est inspirant. Quand tu vois ça, là, ça donne envie de faire comme elle aussi. Là. Marc-André, toi, de ton côté, je vais te poser la même question. Les inspirations, je présume qu'un gars comme les Québécois, comme Georges Saint-Pierre, Patrick Côté, c'est des gars qui tu t'es basé, je sais pas. C'est sûr, écoute, je les ai vus, tu sais, même avant que j'aille la passion, la piqûre aussi intense, là, c'est des gars que je voyais évoluer là, tu sais, dans le sport, puis ils étaient vraiment dans leur prime, on peut dire, puis c'était beau à voir, puis je me disais, je pense que... Je pourrais avoir du succès moi aussi là, dans cette carrière-là. Puis après, moi aussi, un peu comme elle, après le premier combat là, amateur, j'ai tout de suite eu cette piqûre-là. Puis tout le cheminement, l'ascension s'est faite ensuite. Puis des gars comme Pat Côté, là, un gars authentique, humble, puis comme Georges, tu sais, qui transmettaient leurs valeurs à travers leur art, ben, j'aimais ça. Là. Ben, Marc-André, on sait que. Pour le moment, on n'est pas millionnaire avec les arts martiaux mix. Bon, tu travailles dans un hôpital. C'est à quel hôpital tu travailles? Je travaille à l'hôpital Chauveau, là, ici à Québec. Puis je me prenais un petit peu à travers certains établissements, mais j'ai pas le choix de continuer un petit peu encore. Là. C'est encore une passion, de toute façon, de faire ça. Puis il y a aussi de quoi d'important, c'est qu'il y a des gens qui vous supportent. On est d'une place, justement, c'est de quelqu'un qui te supporte pour ça. Là. Justement, oh oui. T'en es très content. Là. Exact. Je veux dire, le fait de pouvoir avoir du gros support comme ça, il y a des gens, des fois, qui arrivent par l'entremise de d'autres personnes ou quoi que ce soit, puis il y a vraiment des matchs, des liens qui se forment. C'est ce qui est arrivé ici avec Daniel, là, de la boutique Division XP, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Puis c'est tout de suite a été vraiment... là. On a vu qu'il voulait embarquer avec nous autres, puis tu sais, il a appris à voir qui on était à travers juste notre personnalité. Puis c'est ce qui a fait en sorte que ça a été facile après ça, puis de savoir qu'il nous accompagne là, dans toute cette belle aventure-là. Là. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est un fan de plus lors de vos combats qui est là, là puis qui vous supporte, qui vous encourage, puis qui doit être content à chaque fois que vous gagnez. Oui, vraiment, tu sais, puis on veut mettre de l'avant aussi, tu sais, tous ces beaux partenariats-là, tu sais, parce qu'on a quelque chose de pas pire ensemble, c'est l'aspect couple. Fait que, tu sais, ce qu'on aime, c'est souvent se vendre en tant que couple, puis souvent les entreprises comme ça qui veulent s'associer à nous autres en partenariat, ben ils aiment ça. Puis Daniel est notre présentateur officiel, tu sais, de notre parcours à nous, à moi puis Jade. Fait que, Je t'écoute parler, je pense qu'il va rester là pour longtemps. Hein? Oui, exactement. Tu sais, même que avant tout ça, il parlait de ses futurs projets. C'est un visionnaire un peu comme nous autres, tu sais, puis on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis on va juste continuer de construire ça. Tu parles de couple, comme on le disait dans l'émission populaire, c'est un match parfait entre vous trois, là, finalement. C'est ça, exactement. Puis toi, Marc-André, ton travail, t'es cuisinier dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Ça surprend plusieurs d'autres personnes. Mais c'est une de mes autres passions, même que je pourrais dire, elle est encore au même titre que mon sport. Là, parce que l'alimentation fait beaucoup partie de notre
style de vie. On a des coupes de poids à faire, on a beaucoup de choses. Fait que moi, à la base, quand j'ai fini le secondaire, je voulais juste avoir des techniques, savoir comment bien m'alimenter. Puis par la suite, là, le sport a fait en sorte que j'en avais besoin. Ouais. Fait que j'ai décidé de m'emmener à Québec faire une technique en diététique qui est plus axée sur la nutrition, tout le mode de vie sain un peu, en savoir un peu la biologie qui en arrête de ça. Ça te permet de contrôler ton poids maintenant. Fait que tu te rends service, veux pas, là, en ayant fait ce poids. Oui, contrôler mon poids, mais c'est sûr que j'ai elle qui m'aide pas à contrôler, mais... Ah, non, comment on mange du junk food? Non, mais on est des bonnes fourchettes. On mange bien, mais on a un bon appétit. Puis, tu sais, c'est comme dans tout, il faut avoir l'équilibre. On aime ça, aller dans un restaurant, essayer des nouvelles places. Moi, ayant travaillé dans beaucoup de bons restaurants, j'aime aller en expérimenter. Fait que souvent, on garde ça après les combats ou quand on n'en a pas un proche. Le fait de se priver fait en sorte qu'après ça, on apprécie un peu plus là, tout ça. Fait que la bouffe, là, c'est un gros plaisir pour moi. Là, on est à la fin janvier, ou en tout cas presque à la fin janvier. Toi, Jade, le 8 février, je présume que tu es nerveuse au moment où on se parle? Oui, c'est ça. À la maison, la famille, les amis vont être là? Bien là, c'est sûr que ça va être pour la ceinture, fait que ça va être un synchrone. Ça va être la première fois que je vais faire un synchrone de 5 minutes. De 5 minutes, ouais, fait que c'est du sport, là. Fait que là, c'est sûr que je travaille fort, puis si je continue mon cheminement, là, j'ai fait mes deux autres combats, ça... depuis septembre. Là. Fait que j'ai pas eu trop le temps de relâcher. Je suis encore sur mon processus des derniers combats. Là. Donc, ça va bien, puis je me sens prête. Là. J'ai hâte. D'ailleurs, ton nom de famille, Masson, étant le nom de ta mère, Wong est le nom de ton père, Perry Wong, qui est quand même connu dans la ville de Québec et courtier immobilier. Puis papa, il est très nerveux quand il va te voir. Ouais, enfin, il est assez stressé. Il essaie de pas trop, que ça paraisse pas trop, mais tu sais, je le connais, puis ça se voit. Là. Mais c'est sûr que c'est pas évident, là, lui, pour sa fille, là, il voit ça aller. Voir sa fille se battre, là. C'est ça. Mais je présume qu'il s'est habitué. Ouais, là. D'ailleurs, il a fait des arts martiaux quand il était plus jeune, ton père? Il a fait un peu de judo quand il était plus jeune, adolescent, je pense. Ouais. Puis tu as un frère aussi qui a fait du football. Une famille de sportifs, finalement. Oui, c'est ça. Ta sœur Athéna aussi, qu'on a connue à la télévision dans une télé-réalité. Ouais. Fait que finalement, belle famille que tu as là. Oui, c'est ça. Beaucoup de fierté. Oui. Marc, toi, ben là, on sait que tu t'en vas du côté de la UFC. On était tous contents. Puis je vais te serrer la main, je vais te féliciter parce que je suis super content pour toi. T'apprécies. Moi, je me disais que depuis un bout de temps, au niveau du Québec, ben bon, c'est ce qui se passe avec Georges Saint-Pierre, Patrick Côté qui a pris sa retraite. On avait hâte qu'il y ait un nouveau Québécois. T'es là. Là, mais par contre, pour le moment, justement, Québec, il n'y a pas rien de prévu en tant que tel. Si je ne me trompe pas, je pense que tu me disais tantôt que ça va aller du côté de Vancouver ou c'est pas encore fait. Là. Il n'y a rien d'officiel encore à ce jour, mais on s'enligne vers l'Ouest canadien probablement. Le UFC a sorti son calendrier 2019. Il y a certaines dates avec des endroits qui sont déjà établis. Il y a d'autres que c'est juste les dates qui n'ont pas encore l'endroit. Avec les discussions qu'on a là, avec le UFC, moi, je me suis fait dire qu'ils veulent me garder pour la première carte canadienne. Okay. Ce qui est normal. Je pense qu'ils veulent... Je suis attendu, tu sais, parce qu'ils ne veulent pas que je rentre par la grande porte. T'sais, tu peux rentrer par le Ultimate Fighter, qui est la télé-réalité. Rentrer par un combat de dernière minute. Des fois, ils entendent parler que je suis prêt, ils ont besoin de quelqu'un. Ah, OK, on connaît Marc-André Barrio. C'est pas tout le temps les meilleures circonstances, parce que tu arrives des fois, dernière minute, tu n'es pas préparé comme il faudrait. Moi, ils m'ont signé, ils m'ont donné le contrat. J'ai le temps de me préparer. Fait que le fait d'attendre une belle grosse carte, là, je pense que Vancouver, ça serait vraiment le fun. Si je ne me trompe pas, c'est 4 combats en 20 mois d'assurés. Exact. Je présume qu'il y en a un dans ces 4-là, en tout cas peut-être pas le premier, mais les 3 autres, tu vas espérer qu'il y en ait un qui soit peut-être au centre de Vidéotron, même si les États-Unis, on sait qu'il y a souvent il y a des galas à Las Vegas, il y en a à New York. Ouais. Mais je présume, tu dois souhaiter dans ton fond intérieur qu'il y en ait un à un moment donné au centre de Vidéotron. Oui, oui, c'est sûr, si je peux me porter un peu comme c'est le porte-parole un peu de la nouvelle génération, là, puis on le voit avec ce qui se passe avec TKO, tu sais, je pense qu'on a été des bons ambassadeurs. Jade qui continue de faire son propre chemin aussi là, tu sais, pour monter ça. On est vraiment un gros marché à Québec. Fait que je pense que le UFC va me connaître à travers un peu là, tout ce qu'ils vont m'offrir. Puis je vais parler assez haut et fort pour dire que Québec, là, on est là. On est des vrais fans. Comment ça se passe à la maison? Exemple, toi, tu te bats. Lui, comment il réagit après? Puis vice-versa, toi, tu te bats. Comment elle réagit? Est-ce que vous taquinez un petit peu? Vous donnez des conseils? Bien, on connaît un peu comment l'autre, là, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, fait qu'on le sait, puis on le comprend nous-mêmes. Mm-hmm. Si nos combats sont... Là, on était chanceux, dans la fois, ils étaient tout le temps ensemble, on s'est battu sur la même carte. On essaie d'en avoir tous les proches. Mais là, quand c'est décalé un peu, c'est sûr que si je sais qu'elle est...
il y a des phases, des fois, c'est exténué, c'est plus difficile, tu sais. Fait que là, c'est d'être à l'écoute de l'autre, puis c'est peut-être pas trop joker. Non, non, c'est ça. Puis je présume que aussi l'entraînement avant le combat, vous devez vous encourager. Je présume, admettons, exemple, toi, ça s'en vient au mois de février, tu t'entraînes, mais je présume que Marc-André va s'entraîner avec toi, va t'aider un peu, va dire, hey, lâche sûr. Pas. C'est sûr, tu sais, on supporte, on est là l'un pour l'autre, puis on supporte là-dedans. Puis même si, mettons, lui, il n'y a pas de combat. De prévu pour tout de suite, mais il embarque un peu dans mon camp d'entraînement aussi avec moi. Là. Il me suit dans la diète aussi, fait attention, fait que les deux, on suit quand même pas mal. Là. Moi, il y a une affaire qui, quand j'ai vu aux nouvelles, j'ai trouvé ça totalement charmant. Je vais revenir là-dessus, je t'en ai déjà parlé en entrevue à la radio. La demande en mariage, comment tu as vécu ça quand ça s'est passé? Parce que tout le monde est au courant, même ton entourage, les parents, tout le monde. Sauf toi. Ouais, ouais, ben, je m'en attendais vraiment pas là. Ça, c'est sûr que ça a été vraiment une grosse surprise. Puis c'était parfait là. je m'en attendais pas. La soirée a été vraiment. J'ai fait mes débuts, j'ai gagné. Après ça, Marc, il faisait la finale, il a gagné aussi. Puis après ça, avec la demande, là, c'était, ça pouvait pas être mieux que ouais, c'était. C'est ça. Puis là, la tangente que la UFC a pris dans les dernières années. Bon. C'est sûr que des fois, il y a des trucs qui se passent qui sont pas trop le fun. On va nommer un nom, là, Conor McGregor. Ouais. Mais sinon, il y a plus de positifs que de négatifs. Êtes-vous content de la tangente positive que la UFC a pris parce que ça se fait connaître de plus en plus positivement? Oui, oui, c'est sûr. T'sais, on a eu des belles années. Il y a tout le temps une reformulation à faire, veut pas, t'sais. Puis la seule chose que je trouve, c'est que depuis justement que Conor est là, c'est que le monde, t'sais, ils se disent « Ah, ben là, lui, il a fait beaucoup d'argent avec ça. » La seule façon d'y arriver comme que lui, il fait, c'est de faire un peu les ajustements que lui, il fait, mais c'est pas ça, en fait. Okay. T'es pas obligé de chercher le trouble. T'sais, Georges, il vit très bien aujourd'hui. Puis il a pas eu besoin de tout faire, ces mises en scène-là. Fait que je pense que les deux, on va faire ça. On va garder notre identité qui qu'on est, puis juste le monde va apprécier que, comme ça. Là. Un peu à l'image de Georges et de Ronda, vous voulez montrer le côté clean des arts martiaux mixtes. On peut arriver à nos fins tout en étant correct. Puis naturellement, en se droguant pas, en s'entraînant de la bonne façon. C'est ça. Puis tu sais, la meilleure victoire, c'est de répondre dans la cage avec nos aptitudes qu'on a travaillées. Mm-hmm. Le monde va se souvenir de ta victoire, t'sais, de comment est-ce que tu l'as fait. T'sais. Ce qui se passe avant, tout le blabla et tout, c'est pas... T'sais, oui, ça va faire mousser le combat, mais ce qu'on veut, puis c'est pas mettre d'énergie là-dedans. C'est vraiment focusser pour aller chercher des trucs comme ça qui font en sorte que c'est des belles accomplissements. D'ailleurs, je t'ai vu rentrer tantôt avec ces deux-là. Il y a une fierté. Là. Tes yeux brillent là, quand t'es pas. T'es content là, de les avoir les deux. Je pense que tu vas vouloir les garder longtemps. Hein. Non, exactement. C'est à moi. Là, même que là, on a un problème à la maison. C'est un beau problème, mais il manque de place parce qu'il y en a un autre qui s'en vient, notre ceinture. Fait que, ça, j'aime ça. Ouais. On a une belle étagère, mais là, on va se trouver une façon de réorganiser ça. Puis on est prêt à tout aller chercher. Marc-André, Jade, c'était un plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le futur. Puis là, je vais te faire la bise pour le 8 février. Merci. Jade, merci infiniment. Donc, voilà, c'est ce qui termine Première Loge Sport. Je vous invite à nous écouter d'ailleurs sur CKRL 89.1 chaque mardi de 15h30 à 17h30.